va passer à travers lui-même pour bénir la soirée et pendant tout le jour. Que bon Dieu t'y nous. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, au grand Seigneur, applaudis le Seigneur. Où c'est force moi, les cœurs cassés, où c'est trésor que m'a cherché, où c'est tout pour moi. Non, où joignons bijoux précieux, sin quitté où ma paix garée, où c'est tout pour moi. Où c'est force moi, où c'est force moi, les cœurs cassés, force qui m'a cherché, où c'est tout pour créer une atmosphère, où c'est force moi, les cœurs cassés, où c'est trésor que m'a cherché, où c'est tout pour encore, où c'est force. Où c'est force, moi, les cœurs cassés. Où c'est trésor que m'a cherché. Où c'est tout pour moi. Où c'est puissance, moi, les cœurs cassés. Dis ça, crée une atmosphère, crée un climat. Que m'a cherché. Où c'est tout pour moi. Où c'est force. Où c'est force, moi, les cœurs cassés. Où c'est tout. Bon, pourquoi ça m'a fait des cantiques ça? On va planifier de chanter des cantiques ça. Où c'est tout. Attrapez mon main. Encore, oui. Où c'est force, moi, les cœurs cassés. Où c'est trésor. Yes. Où c'est tout. Où c'est force, moi. Où c'est force, moi. Les cœurs cassés, où c'est trésor que m'a cherché, où c'est tout pour moi. On dit alléluia. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur plus fort. On a les portes, et veille pour l'intour, femme et mère. Et veille les portes éternelles. Que le roi, que le roi a les portes élevées pour les tours, élevées les portes éternelles. Que le roi de gloire, applaudis le Seigneur, que le roi de gloire, que Jésus de Nazareth, que Jésus de Nazareth fasse son entrée. Que mon Dieu bénisse. À cela nous gagnons un thème qui dit. L'autorité du croyant. Alors, il y a deux mots-clés. Il y a deux mots-clés. Il y a deux mots-clés qui sont dans le texte là. Le premier mot-là, c'est autorité. Et le deuxième mot-clé, c'est croyant. Donc, les nous combiner deux thèmes ça yo, nous joindre sujet à qui dit l'autorité du quoi. Donc, nous remercier corps pastoral là et toute équipe leadership là, assemblée à en entier pour privilège ça qu'il a accordé nous et nous dit bon Dieu merci. Alors. En partant de la définition, l'état bon pour nous être capable de définir le mot autorité. Nous pouvons aller regarder rapidement en définition de l'autorité. Le mot autorité en soi, l'issorti de et en mot grec, parce que nous connaissons le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Et l'Ancien Testament, il est écrit
en hébreu et quelques parties en araméen. Mais puisque nous parlons ce soir de l'autorité du croyant, n'a plus basé dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pourquoi nous avons internisé plus sous définition grecque là, côté pour nous jouer une définition étymologique de l'autorité. Le mot autorité vient du grec qui c'est exousia, exousia, E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Nous pouvons dire comme ça, si nous lisons dans la version française. Exousia, qui c'est autorité. Par autorité, nous supposons faire un distinguo, une différence entre autorité puissance. Deux mots ça yo, yo semblé mais yo pas même. Mais que trois mots nous t'es capable associer à ce sujet là, c'est ça qui est autorité, pouvoir, puissance. On dit ça pour moi. Autorité, pouvoir, puissance. Autorité c'est exousia, exousia, et puissance c'est lui-même qui c'est dynamis ou dynamis, dynamis. Donc l'on dit dynamis, c'est la puissance, c'est une intensité, c'est une force, c'est une énergie d'un phénomène. Par exemple, si on apprend pour nous une illustration, on peut apprendre les forces naturelles, c'est le vent. Donc le vent a soufflé, il dégage une force, une énergie. Donc son puissance naturelle, c'est une force naturelle. Donc, il est difficile pour un monde résister avec la puissance du vent. Ou après, il y a un vent qui crase les cailles, il y a un vent qui broute les machines, parce que c'est une force naturelle qui a une énergie exceptionnelle. Donc, c'est puissance, c'est force, dynamis. Si on apprend tremblement de terre, c'est une force, son puissance naturelle. Et jusqu'à maintenant, l'homme n'est pas capable de contrôler puissance, sa énergie, sa phénomène, sa qui c'est tremblement de terre. Et selon échelle là, tremblement de terre là, par puissance, il est capable de faire pile dégâts. Nous avons pile exemple de tremblement de terre. Si nous prenons tsunami, là nous prenons tsunami, c'est un raz-de-marée, une montée de mer qui quitte limite littorale et littoral li, et puis qui envahit rivage là et puis qui traverse aller. Donc ça c'est une autre force, une autre dynamis, une autre puissance naturelle que l'homme pas gagné pouvoir sur yo. Hello? Hello? Donc ça c'est puissance qui est capable un synonyme de force, yon énergie qui caractérisé par un phénomène. Le feu aussi est une puissance. Donc, par le feu embrasé, il est capable de détruire un paquet de bagailles. Nous connaissons, du feu a envahi une forêt qui dégage qu'elle fait. Nous avons le vent, nous avons le feu, nous avons le tremblement de terre. Ça y a force, énergie, puissance, dynamisme. Maintenant, dans la Bible, il est question d'autorité. Alors, le thème central, c'est autorité. Regardez un texte avec dans Luc, chapitre 10, verset 19. Le croyant en soi, c'est tout le monde qui croit. Donc, son bail est logique. On nous regarde Luc, texte
texte ça avec moi. Luc chapitre 10. OK. Dans Luc chapitre 10. Fait lecture ça pour. N'apprend le verset. Qui verset nous dit? On est bien. Qui ça dit? Voici, je vous ai donné quoi? Voyons un mot qui paraît là. Le pouvoir. De quoi? De marcher sur quoi? Serpent. Sur quoi? Sur les scorpions. Sur quoi? Sur toute, sur la puissance de qui? Et ensuite il dit, et ne pourra. Le mot autorité, c'est un pouvoir délégué. C'est une délégation de pouvoir. Autorité, c'est une délégation de pouvoir, non puissance. Et puissance, c'est l'autre phénomène. De marcher sur quoi? Sur les serpents. Maintenant, est-ce que texte ça dans même qui devant là, est-ce que on peut prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire littéralement, les noix serpent, couleuvre, scorpion. Donc, texte passage là, l'âme a des figures rhétoriques, des images que la Bible a présentées dans un tableau des animaux. Et dans le contexte, dans le langage biblique, bête ça yo, yo représente des autorités spirituelles. Hello, 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 hello. D'après le texte, dans son contexte, s'il nous a donné le pouvoir exocia, qui c'est une délégation de pouvoir, l'autorité est une délégation de pouvoir, donc s'il m'a un pouvoir, c'est pour me capable de gagner une autorité sous l'autre autorité. Hello. Hello, hello. Marre si nous clair. Donc, si je prends le texte là, dans le contexte, je fais une herméneutique, je fais une exégétique du passage, serpent ici, pas qu'il y a une bête littérale. Ils sont autorité. Hello, dis-moi maintenant. Et autorité ça, c'est parti autorité. Parce que dans l'ensemble de l'enseignement biblique, la Bible a parlé quelque part et plusieurs côtés dans la parole. Le serpent. Et serpent lui-même, l'a accouché, il a un pisé. Hello. Dis-moi maintenant. Souviens mon regard. Le serpent, ou encore, si ma prends un thème qui plus encore, qui encore plus affreux, je prends le dragon. Parce que c'est quoi le dragon? Le dragon, c'est un serpent qui gagne yon queue, qui gagne patte à l'origine. Hello. Et du feu saute dans la bouche. Li. Là, ça, c'est un peu de mythologie que la Bible a considéré que le public qui t'attendait le message là, te comprendre dans la mythologie. Yo. Hello, hello. Donc, Christ, la parole de Dieu, il prend des exemples communs que nous te comprendre pour expliquer nous un bagage spirituel. Alors, la Bible a dit dragon. Est-ce que
la Bible utilise un thème parce que moi je connais la Bible, il y a une inspiration verbale et plénière. En quoi consiste une inspiration verbale? Tout mot qui est écrit dans la Bible, au commencement était le verbe, la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est une inspiration verbale. Ça veut dire chaque grain de mot, chaque grain de verbe, chaque grain de point, chaque adjectif, chaque adverbe, chaque préposition qui est écrit dans la Bible, c'est mot exact ça, cet esprit t'est soufflé, t'est inspiré pour écrire dans le texte là. Alors, on va quoi, Bible après utiliser un mot, un langage qui n'a pas gagné une signification. Hello, hello, hello. Alors, si Bible dit dragon, dragon quelque chose, mais dans le monde réel, nous pas ta connaît ça dragon, hein? Mais il y a des dimensions, il y a des régions spirituelles côté qui habitent des animaux. Hello. Bible dit dans l'Apocalypse, le dragon, le serpent ancien, entraîna dans sa chute un tiers des. Alors, serpent, elle a chuté. Pour ne pas faire personnification, pour ne pas faire personnalité, n'a fait une personnification. Serpent, elle a tombé, lui allait avec un tiers de petits serpents. Ah, Marron Simclé là. Le serpent ancien qui était existé avant le temps, mais qui était dans une dimension plus élevée que le temps, que la matière, que le son. Que le temps qu'on a vivre là, c'est pourquoi le serpent ancien, avant que la création matérielle te guette en paraître, te guette en guette en l'autre mode de vie spirituelle. Eh bien, ce serpent ancien, ce dragon, lors de sa chute, l'y entraînait par sa queue un tiers des anges, un tiers des étoiles. Étoile ici, est-ce que c'est l'étoile? Corps céleste, nous connaissons littéralement. Donc, ce sont des langages. Donc, ici, le serpent, je pense que son autorité qu'il y a. Non seulement il va pouvoir sous serpent, qu'on l'autre animal qui pas fini un insecte. C'est un autre type d'animal qui pas fini en insecte net, qui sont leur catégorie. Parce que en gars texte là, suivez-moi, en gars texte là, on fait une démarche théologique. Texte là dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et coordination. Hello. Il pas dit où, comme si tu as même catégorie, ça c'est un autre dimanche. Donc, serpent, son dimension d'autorité et les scorpions. Mais qu'on l'autre texte dans la Bible qui dit sur la speak. Hello, 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 qui sont l'autre catégorie. C'est pourquoi le monde invisible d'en haut, le monde invisible sur la terre, le monde invisible d'en bas, ils sont divisés par des régions. Hello, hello. Donc, c'est pourquoi le texte a dit, vous n'avez pas à lutter. Dame l'église a dit ça, vous n'avez pas à lutter. Que bon Dieu bénisse, on dit ça encore moi, vous n'avez pas à lutter. Wow, dis ça encore moi, vous n'avez pas à lutter. Bah, on m'a dit ça moi, vous n'avez pas à lutter. Et si que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, par application directe, nous avons à lutter contre quoi? Non, mon cher, contre les serpents. Non, contre les serpents. Ah, ou avec même là. Ou venez, oui. Hein? Contre les serpents, contre les scorpions, hein? Contre les autorités. Là, nous dit autorité. Qu'est-ce qu'on fait angélologie là? On va aller sortir dans mes salles à toi. Non, mais quand même, on fait un petit peu de angélologie.
Il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. La chair et le sang, il dit maintenant dans le contexte ça, une personne. Parce que des fois, la chair pas signifie le corps. Quand on va faire un peu d'anthropologie. Wow. OK. La chair, quand signifie viande. Des fois, selon le contexte ça, la chair signifie un homme. Des fois, la chair veut dire yon nature pécheresse qui est dans l'âme. Bon, moi, c'est un exemple. Vous ne mangerez pas la chair et le sang parce que le sang est l'âme de la chair dans Genèse. Là, ici, ça, c'est bête là qui a un système biologique. C'est sang qui n'emmène. Parce que le bagage corps, âme, esprit, même genre humain. Mais c'est sang qui s'est sous vitali depuis sang sorti, c'est nommé qui sorti, il est tout fini. Il n'y a pas d'éternité pour lui. Ça, c'est viande, la chair ici. Le texte l'a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair ici, ce n'est pas le corps, mais c'est nommé la personne humaine qui gagne la nature pécheresse en donne. Hello? Tandis que la Bible a dit comme ça, la parole a été faite chair. Ici, la parole est devenue une personne. Corps, âme, esprit, Jésus-Christ. Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur. Et par conséquent, le texte l'a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Nous pas gain pour nous gommer avec frère nous. Nous pas gain pour nous gommer avec sœur nous. Nous pas gain pour nous gommer avec Rougan. Nous pas gain pour nous gommer avec maçon loge. Nous pas gain pour nous gommer avec moun. Mais nous gain pour nous gommer avec les autorités. Parce que si nous prenons les hiérarchies angéliques, nous prenons les séraphins, chérubins, nous prenons le trône, vertu, nous prenons puissance, nous prenons domination, nous prenons principauté, nous prenons ange ordinaire. Donc, ce sont des dimensions qui gagnent dans le monde invisible et chaque dimension, ça y est, nous gagnons ange, principauté qui forment une autorité angélique. Hello. Et lors de la chute de le serpent ancien, il est entraîné dans le queue à partir de 8e degré, 7e degré, 6e degré, 5e, 4e, 3e, jusqu'au 1er degré qui formait le cœur des anges, parce que c'est celle dans le 1er, 9e degré, elle n'a pas arrivé, côté les séraphins. Hello. Et puisque ce serpent ancien il était considéré dans 8e dimension, il n'est pas arrivé dans 9e dimension, parce que 9e dimension c'était le secret de Dieu, la stratégie de Dieu. Hello! Parce que les séraphins, c'est le groupe ange qui pouvait adoration. Mais 8e, non, qui c'est les archanges, c'est les anges d'autorité qui étaient entourés le trône de Dieu. C'était les militaires, les autorités. Donc, les autorités, ça descend. Ils prennent tous six sergents, ils prennent capitaine, ils prennent lieutenant, ils prennent tipitio parce que c'était un général. Hello? Le général de l'armée qui t'a gardé autour du trône. Mais les séraphins, ils ont même au-dessus du trône. Et puisque l'ennemi a fait ange gardien, c'est pourquoi les serpents anciens faufilaient. Dans le jardin Eden, monsieur pral créer même stratégie, il pral faire l'homme qui a une autorité pour dominer sur la terre, qui était une région céleste, qui était une domination, qui était un dominateur, il était bien pour te dominer sur les oiseaux du ciel, sur la terre et sur la terre. Et là qu'il pral induit l'homme dans le péché, il pral saisir l'autorité de l'homme. Et par conséquent, l'homme qui t'est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, devient automatiquement un esclave. Parce qu'il perdit autorité. Comment peut-on expliquer ça? Si je fais un scénario, si moi, Adam, par devant, je suis un serpent ordinaire, il n'y a pas besoin de faire stratégie pour le dire serpent, pour le quitter serpent par la queue. Même j'ai Moïse, on fait une bonne stratégie. Il a dit serpent, serpent, ça. C'est bon, tu as couru vini. Parce qu'il t'a gagné autorité. Lion, hein? Nous connaissons ça, lion, yé. Et bien, dans le sens normal, par autorité adamique, tu es gagné, hein? Par innocence, li, tu as dit lion seulement, brrr, non langage, animal, et puis lion, tu as souqué, tu es mais là, l'homme fin péché, il y a un petit chien qui court, il y a un chat qui court, il y a un monde qui a un ravette qui court.
Hello. Yon ti fourmi morte, nous nous sentinons. Ça allait pas côté le mordo là, on sent trop malade. Parce que nous perdons autorité spirituelle, nous perdons autorité morale, nous perdons autorité physique. Et c'est pourquoi la mort pral entrer. Parce que nos péchés et nos privés, non seulement de la gloire de Dieu, mais de l'autorité investie. Dis-moi, amen, là, non. Là, c'est toute la Bible qui veut nous comprendre. Pour nous comprendre le sujet qui est l'autorité. Donc, l'autorité qui s'allie, c'est un pouvoir, son délégation au bas où, de pouvoir. La puissance, c'est une force, c'est une énergie, c'est un phénomène. Exemple, c'est mal le 27 février. Et puis, machine a sorti à droite, à gauche. Et puis, machine a couru. Est-ce que si c'est un policier, un 17, est-ce que toute machine s'en vient devant, et puis, je suis dans l'arrière, est-ce que je suis bloqué comme ça? Parce que la machine a passé sous? Parce que la machine a une énergie mécanique? Il y a une force, il y a une puissance. Si mal traversé l'arrière bien, il a passé sous. Mais puisque m'habiller avec rad militaire sous moi, dis-moi maintenant là, anticipez-moi non. Et puis j'ai grad moi sous moi. Et puis me souffler sous mais qui ça traîner à doit faire? Qui ça camion doit faire? Qui ça ambulance doit faire? Qui sait pas qui ça machine qui est colonel là doit faire pendant qu'ils sont petits gendarmes. Dis-moi maintenant là, frappez-moi. Que mi porta gagne un colonel dans machine non depuis capitaine dit camper dans service li les gagner autorité. C'est pourquoi dans l'armée a gagne capitaine gagne sergent après sergent gagne lieutenant après lieutenant gen major, gen capitaine, gen colonel, gen général, mais par autorité, yon ti capitaine ka dégradé yon général. Pendant que général a gen plus formation, pendant que général a gen plus expérience, mais par l'autorité délégué. Dis-moi amen. Mais cette autorité a. Pipiti moun dans l'église là. Depuis que après bon Dieu Pasteur Chanel, Pasteur Marco, Balmikoa, il gagne toute autorité. Dis-moi maintenant. Même le parrain, même, dis-moi maintenant. Même le parfum d'accord, dis-moi maintenant. Depuis que tu as fait l'étude de la parole de Dieu, on a campé tout le monde doit quand. Et pas pouvoir le gagner. Et pas expérience qui est passé. Et pas connaître parce qu'on est passé. Mais il campé derrière l'autorité qui est passé. Ou tu as été maman, tu as été papa, tu as délégué, autorité. Donc, autorité, c'est une délégation de pouvoir. C'est pourquoi, à partir de la soirée, on va ouvrir les yeux sur le bagage. Et pas sous prière pour compter. Prière, c'est force. Prière, c'est puissance. Qui est capable de déplacer montagne. Dis-moi maintenant. Prier à capable pour énergie, poser les mains sur malade guéri. Sainteté ou et pas sous sainteté ou pour camper. Et qu'il parle d'un paquet de bagailles. Et pas sous consécration seulement pour compter. Et qu'il parle d'un paquet de bagailles. Mais je suis sous premier bagaille pour compter. Pour mener vie chrétienne en tant que croyant. Ou doit camper sous l'autorité qui est bon Dieu. Ou même l'on pas à la prière. Dis-moi maintenant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car j'ai l'autorité. On nous fait application texte là. Car j'ai l'autorité de Dieu. Et pas forcément gagner ni énergie, gagner. Diable, pas qu'à te mettre campé devant nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, même les gains serpents, même les gains l'aspic, même les gains scorpions et toute la puissance. Dis-moi maintenant là. Parce que à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, toute
autorité lui a été donnée sur la terre. Sur la terre. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Il y a une puissance. Il y a une énergie. Il y a une force. Mais il n'y a pas gain autorité sur le croyant, mais pas gain autorité frappé bien sous le croyant, c'est pas gain autorité sous le croyant. Attendez encore, la speak pas gain autorité applaudit mon Dieu sous le croyant, le scorpion pas gain autorité sur la puissance, mais ça me permet dans le texte là, sur toute la puissance ennemi. Nous n'en guerre? Oui, pour que l'ennemi se guerre, oui. Même si on armé, t'as levé contre moi, pape, j'aime craindre. Bon Dieu m'a veillé. Ça veut dire que quelle soit la puissance qui campe devant nous, avec autorité nous gagnons, nous avons pouvoir délégué. Et par puissance, nous besoin dans l'évangile. Et par force, nous besoin dans l'évangile. Si vous avez sous force ou. Qu'une force passée ou. Sous qu'on sous puissance ou. Qu'une puissance passée ou. Mais on veut que tes membres tout. Même le pas à la prière. Ou qu'on peut sous autorité, mon Dieu. Hello. Mais ça, on met dans le texte là. Un adverbe de quantité. Un grand petit mot. Un monosyllabe. Et rien. Dis-moi, maintenant, non. Au lieu de Bible a écrit. Il n'y a pas de temps pour l'écrire. Parce que si la Bible a pris le temps pour écrire, il n'y a pas de page encore. Il dit un serpent, pour mal comprendre ça, serpent. Il dit un scorpion, pour me comprendre ça, scorpion. Et puis il dit, et rien. Maman, on dit ça, maman. Et rien. Texte là, mettez dans le contexte là pour m'énumérer. Et rien. Qui maladie que pas de faire peur. Et rien. Qui goût de l'eau qui fait pas qu'à faire peur. Et rien. Hier soir, je me couche mon paquet de chien couille d'aime. Et puis, il y a couille d'aime comme ça et puis je me campe. Pendant que je me campe comme ça, je me consacre à l'écoute. Et rien ne pourra vous nuire. Quitte nous dormir, quitte nous éclair, quitte nous marcher, quitte nous chita à partir de la soirée. Pas gain rien qui doit faire une paix. L'autre un chat a volé sous le caillou, pas qu'il a rempli son faiblesse liée. Comment fait les chats là à faire briller et son rempli? Rempli de watts, son manifestation émotionnelle qu'il y a. Parce que marché tout rempli, me campé tout rempli, me chita tout rempli. Et pas si briller pour faire manifester, c'est une manifestation émotionnelle. Au nom de l'Éternel, je l'étais. Hein? Yes. On n'a pas fini mais l'Éternel là. L'Éternel là pour l'Ancien Testament. C'est au nom de Jésus, je l'étais. Hein? Parce que Bible a dit dans le Nouveau Testament, au nom de Jésus, tout genou. Maintenant, ça soit. Pas chasser démons au nom de l'Éternel. Pas chasser Baka au nom de l'Éternel. Pas prier pour le monde au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'était une manifestation. C'était une christophanie. C'est Christ de l'Ancien Testament. C'est une manifestation. C'est une théophanie. C'est l'apparition de Dieu sous forme ange. Mais dans le Nouveau Testament, Christ, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est la parole qui devient de chair. Et c'est pourquoi la parole qui devient un homme, il est baptisé. Et tout le monde qui croit et qui baptisé, Christ va nous pouvoir pour marcher sur le lion, sur la spigue et sur la puissance de l'ennemi. D'après Marc, c'est ça pouvoir et pouvoir et autorité, ça croyant. Ça le dit pour me camper. Ça le dit pour me camper. Bon micro, ça le dit pour me camper. Automatiquement, quoi? Qui soit doit faire? Bâti. De vous faire quoi? Qui soit doit faire? Croyant. Maman, je ne comprends pas. Mais où tu crois qu'il doit faire? Et pas baptiser à force sauver, mais baptiser à boyon délégat. Parce que Christ est sans péché. Il fait 1 an avant, il fait 9 mois avant sans péché. Sans péché. L'embryonnaire sans péché. Il fait tu sans péché. Parce que dans le ciel, il était sans mère. Et sur la terre, il est sans père. Dis-moi un applaudissement là, non. Pour un applaudissement là, non. Allez, l'enfant dans la crèche là. L'enfant dans la crèche là. Et Mayotea, dans le ciel, il était sans mère. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de mère dans le ciel. Et sur la terre, il est sans père. Il n'y a pas de papa. Il est dans la nature adamique. Hello!
C'est pourquoi il est sans péché, il a une autorité originelle. On compte me lever d'abord, oui. On compte me lever oui. Et puis malgré tout, les bâti, son principe spirituel, les bâti. Christ est besoin de rien, les bâti. Puisqu'il est baptisé, l'esprit descend sous. L'esprit descend sous. Mais l'ab descend sous, moi, mais l'ab descend sous. Mais l'ab descend sous, moi, mais l'ab. L'esprit descend sous en forme humaine. Pour montrer que l'esprit pas en force. Aïe, aïe, aïe. Mon côté, mon petit musique là, non, mais. Maestro, assoumé. Parce que l'esprit de Dieu pas en force. Il pas en puits. Il vient sous forme sous forme on bête, yon pigeon. C'est une manifestation pour montrer que cet esprit pas force, ni pas puissance, mais c'est un être humain. Waouh, nous pas comprendre ça, maman. Il vient sous forme d'un bête, yon pigeon, pour montrer que cet esprit pas force, ni pas puissance, mais cet esprit qui est force, qui est puissance, étant un être humain, qui est autorité pour le matérialiser. La parole qui était avec Dieu, qui est autorité pour l'incarner, dit m'amène là non. Maintenant, la parole incarnée, baptisée, l'esprit de Dieu manifesté et par conséquent, il cale dans le désert. Hello. Il fait sans péché, sans papa, sans nature adamique, sans nature pécheresse. Ben, tu as besoin pour te prendre un principe qui c'est gloire. Parce qu'il faut mourir. Le baptême de Jésus, c'est une mort théologique. Dis-moi maintenant, non. C'est une mort théologique. Il faut être enseveli. Parce que de vous pas mourir, principe n'a dit ou pas ressusciter ou pas vivre. Eh bien, il faut que Christ te mourir théologiquement. Et puis, il y a un désert pour affronter les autorités. Et puisque les filles ont autorité l'esprit, maintenant, il y a une autorité qui parle devant. Qui dit comme ça, soumettre genou devant. Je vais avoir toute autorité sur le royaume. Puisque Christ a une autorité, il a une position. Il dit, retire-toi. Il va dire, retire-toi de moi, non? Christ va te posséder. Il dit, retire-toi parce qu'elle a autorité. Le baptême d'eau, il a une autorité du royaume. Le baptême dans Jésus, il a une autorité du roi. Du royaume. C'est pourquoi tout vient. Quelle est la source de l'autorité? Regardez bien rapide. La source de l'autorité. Première source d'autorité, c'est dans Luc 10 là, qui dit voici, je vous ai donné le pouvoir demain. Moun qui parle autorité, c'est parce que tout pouvoir lui a été donné. Dans Luc chapitre 10, le verset 19. En regardant le deuxième texte, rapide, Matthieu 28, verset 18. Pour nous, qui peut nous joindre, délégation nous. Matthieu 28, verset 18. Quel texte ça pour moi? On allez. Pour nos principes là, qui comment autorité fonctionne. On allez. Matthieu 28, verset 18. Qui ça le dit? On allez. Qui ça le dit? Tout pouvoir. Quelque pouvoir. Tout pouvoir. Pas oublier que pouvoir, c'est. Délégation, autorité à cette délégation de pouvoir. Donc, dans une hiérarchie qui peut bailler une délégation. Ça me vient de comprendre que c'est Dieu le Père qui baille Dieu le Fils autorité. Et bien, puisque Dieu le Fils baille l'Église autorité, nous gagnons légitimité. Nous gagnons légitimité. Qui ça nous gagne? Légitimité. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Qui bon? Mes amis? Dans les cieux, ciel atmosphérique. Dans les cieux, ciel sidéral. Dans les cieux, ciel empiré ou encore le royaume de Dieu. Celui-là et celui-là. Wow. Donc, la source de l'autorité, il vient de Dieu. D'une personne qu'on appelle Jésus qui détient son autorité du Père. Amen. Deuxièmement, d'où vient l'autorité? La source de l'autorité chrétienne. On regarde ça dans Romains 1er verset 16. Rapide. Romains 1er verset 16. On allait. La source de l'autorité du croyant.
Premièrement, c'est une personne. Luc 10, verset 19. Matthieu 28, verset 18. Deuxièmement, la source de l'autorité. D'où détient l'autorité du croyant? En nous garder, Romains 1, verset 16. Qui ça le dit? Car je n'ai point honte de les. Pourquoi? Pourquoi? C'est une pluie. Pourquoi? Pour le ça. C'est pourquoi elle dit comme ça. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité de devenir. C'est pourquoi nous sommes capables de dire dans 2 Corinthiens 5, 17. Contexte pour jamais comprendre, que nous lisons pour d'apprécier, que nous jamais interpréter. C'est pourquoi dire à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'évangile, elle, la parole incarnée, elle a donné le pouvoir de devenir. Qu'on a envie de comprendre 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, nous avons de l'autorité. Pas dit voici toutes choses deviennent nouvelles. Nous avons de l'autorité. Ça veut dire, il est déchiré pour nous, à qui te condamné nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi il va dire quelque part dans Romains, et le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi. Et parce qu'il a dit commandement non, la loi du péché, la loi de la mort. Dis-moi, mais non, là, vous n'êtes point sous la loi. La loi ici parle de décalogue et pas la loi mosaïque. C'est la loi du péché. Et l'eau, c'est la loi de la mort. Parce que après le péché, la Bible a dit comme ça, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou perdis autorité. Parce que le péché engendrait la peur, culpabilité, la mort, la honte. Et puisque il a dit, vous allez, vous n'êtes point sous la loi. Et pas la loi décalogue là, c'est la loi de la honte, la loi du péché, la loi physique là. Eh bien, chrétien, pas qu'à mourir, avant-les, pour qui raison? En nous gardons un texte qui c'est dans Matthieu 16, verset 18 qui dit comme ça. Et toi, tu es, et sous ces deux pierres, je bâtirai, il dit, et les morts, et le séjour des morts, ne prévaudront. Dis-moi qui raison. Non, parce que Christ qui gagne autorité en l'air, en bas et puis bas, il est premier entre les morts. Et puisque c'est premier entre les morts, il gagne autorité sur toute mort, même sous Abel, le premier des morts humains. Et Christ, il prend position de prémisse parmi les morts. Par conséquent, il est le baron des chrétiens. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur, bon moi là. Applaudis bon Dieu, bon moi là. Et Christ, il est le baron des chrétiens. Ah, pour dans le cimetière, c'est baron pour bon passage. Et puisque Christ c'est baron, c'est jour des morts, la mort pas capable de convoquer l'emblée. Dis-moi maintenant là. Et Christ dit, Abel, mets corps sous côté. C'est moi-même qui, c'est moi qui suis le premier d'entre les morts. Et par conséquent, le cité Ronald, il pas paraître. Le cité Marco, il pas paraître. Le cité Chanel, il pas paraître. Parce que nous, c'est baron, yo. C'est moi pour l'église à autorité qu'il est pour mourir. Les chrétiens, ouais, la mort pas besoin de paix. Parce que l'église a une autorité sous là. Pour la précaution seulement pour mourir prématuré. Hello, on dit alléluia, applaudis le Seigneur, dit alléluia, dit l'autorité du croyant, dit à soi, on a autorité, dit ça, dit on a autorité, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez quelques questions, nous sommes capables d'avancer et nous passer avec révérend nous, modérateur nous, à la gloire de Dieu, qui va l'aider avec quelques questions. Donc, thème nous, c'est l'autorité du croyant. Alléluia. Acclamez l'Esprit, bon Dieu. Frappez-moi pour bon Dieu. Frappez-moi pour bon Dieu. Et on a tant de questions. Je levez même bon moi. Combien de questions on a bien à faire? On a l'étalé. On a un. On a l'étalé. On a un monde qui levez même. On a un frère Johnny. C'est Gerti. Hein? Ok. Pas bien encore? On allait avec nos serviteurs. Ok, moi salue conférencier. Et question parmi ma partie comme ça. T'as l'air, t'as parlé
et on t'a parlé de la chair. Comme si nous avons parlé de chair dans trois façons. Et moi, je me connais, est-ce que de trois façons, ça, on peut parler de la chair, est-ce que chaque chair, ça, est écrit en façon différente? Ok, on va suivre. Et puis, vous avez parlé encore, je ne connais si c'est un bon, je ne vais pas dire son lapsus que vous avez fait, mais vous avez parlé pour te dire l'extratégie, et puis vous pas dit, vous avez dit la stratégie. Et puis après, vous avez retourné encore, vous avez utilisé les stratégies. Je connais peut-être un communicateur, si vous avez une différence entre deux mots, vous avez fait pour moi tout, pour ne pas dire si son lapsus. Je vais comprendre. Et. Qui ça fait? Ok. Pasteur Marco, qui a un pouvoir. Comme si, il mettait un campé là, il a passé mon qui en face moi ou l'autre. Bon Dieu, lui même encore le pouvoir. Et même bon Dieu, ça a un pouvoir. Est-ce que pouvoir le bon non? Comme si, il n'y a pas qu'à faire. Ok. Est-ce que même pouvoir, ça n'y a pas qu'à faire des miracles qui accompagnent avec puissance là-dedans? Ou bien tout, pour qui ça le bon pouvoir, le pas bon puissance? Qui fait ça fait, moi, qui a un pouvoir, je n'y a pas qu'à puissance. Ok, vrai sens question, qui ça fait? Bon Dieu, bon pouvoir, il n'y a pas de puissance. Autorité, pouvoir, puissance. Moi, je dis comme ça, pour qui ça me soit autorité? Moi, j'ai un pouvoir et je n'ai pas de puissance. Je suis confus. Bon, je pense que vous êtes intelligent et pour stratégie, on dit une stratégie. La stratégie. Ok? Vous clair sur ça? Vous clair sur ça? Une stratégie, la stratégie. Vous clair sur ça? Bon, ok. C'est une stratégie. La stratégie. Ok, la stratégie. Ok, donc, c'est une abscisse. Linguiste. Ok? Ouais. Merci. Deux. Vous dites, est-ce que cher, vous écrit même Jean? Dans le contexte, nous avons mentionné d'aller, oui, ce sont des homonymes. Mais il n'y a pas synonyme. On dit homonyme, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont des significations différentes. Ok? Donc, la chair, c'est C-H-A-I-R. Ok? Donc, ce sont des homonymes, mais ils ne sont pas des synonymes dans le contexte biblique. Bon, on passe sur ça. L'autre question. Bon Dieu, notre principal banon, autorité. Et puissance, c'est notre phénomène. Il y a une puissance naturelle, il y a une puissance surnaturelle. Parce que la puissance, en soi, c'est une résultante qu'elle y est. Comment on peut expliquer une résultante? Son bagage qui sortit, qui produit à partir de notre bagage. L'aime combiner de l'eau avec un autre système qui a produit une puissance qui est l'électricité. Donc, son résultat qu'il y a. Et par conséquent, Dieu, dans le principe spirituel là, salba nous en réalité sous les autorités et pas puissance, il ban sous les autorités. Ce sont les autres. Et c'est autorité, il ban nous sous l'autorité. Donc, c'est le principe. Maintenant, la puissance comme résultat, il y a une autre source. Par exemple, si je prie en pile, il n'y a pas produit autorité. Et pas la prière qui prend le faire chasser son démon. Même l'aime prier en pile. Mais c'est l'autorité. Pendant que l'aime prier, bon puissance. Nous avons fait 3 jours. Nous sentons qu'on grâce en onction. Puissance, c'est capable synonyme de onction, de grâce. Mais l'onction n'est pas durable. Avec son résultat lié. Mais l'autorité n'a pas perdu. Pendant que je me soumets en bas, mon Dieu, en bas autorité. Définitif. Parce que Christ n'a pas une autorité temporaire. Pourtant, puissance est temporaire. Puissance, qui ça lié? Comme si nous avons une énergie, mettre dans la machine, gaz, gasoline, et puis les gens vont côté de 50 km, gaz est fini. Mais les gens ont une licence, je suis clair. Mais les gens ont une licence, ils ont une autorité pour me conduire. Mais les gens ont une gasoline, ils ont une licence là. Ils ont une licence, ils ont une autorité là. Donc, ce contexte-là. Et qu'on principe d'autorité que bon Dieu baille, sorti dans le Père, dans le Fils, et même les bon Dieu, t'as bon autorité personnelle,
mais une hiérarchie de bon ordre ça faut soumettre en bas notre autorité supérieure. C'est pourquoi vous capable gain toute capacité bon Dieu bah appel don etc connaissance etc mais de beaucoup dépend une société évangélique ecclésiastique ministérielle les qui ont ordre hiérarchique. OK, c'est pourquoi la Bible a dit Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de la femme, l'homme est le chef et par autorité. Nous connaissons la Bible. La Bible dit, ne savez-vous pas que le corps est le temple de cet esprit. C'est-à-dire, le cet esprit habite dans moi, il habite dans tout le monde. Bon, pas dans tout le monde, dans tout le monde qui croit dans mon Dieu. La Bible dit, Daniel t'a prié mon Dieu. Et puis, ange pays peste là. Bloqué prière Daniel. Mes réflexions me gain. Est-ce que me ca prier au bon Dieu qui dans moi? Yon mon Dieu qui omniscient qui dans moi, qui habite dans moi. C'est-à-dire lorsque l'esprit bon Dieu habite dans moi, c'est bon Dieu même qui habite dans moi. C'est-à-dire me ca parler à bon Dieu n'importe côté. Est-ce que bon Dieu ça qui Daniel t'a prié là? Réponse prière Daniel là. Qui côté me ta me connaît bon Dieu ça ayé dans qui lié? Bon Dieu, ça est jusqu'à ce que vous allez la prier. Et puis pour les anges, pays personnel, je ne m'en ai pour bloquer la prière Daniel. Parce que bon Dieu, moi, même si je ne parle pas à bon Dieu, bon Dieu, attendez, je ne parle pas. Si bon Dieu, a autorité pour répondre à la prière, c'est le chant. Est-ce que bon Dieu, ça, Daniel, t'a prié? Est-ce que le lié même, si je prie pour prier à son paquet espace jusqu'à ce que vous la joignez? Son belle question, je vais répondre par un verset. Dans Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit que le Seigneur te réprime. Et ça, c'est le principe d'autorité. Qui ça archange Michel te? Qui ça Michel te? On a? On archange. Mais qui ça diable a te? On archange supérieur. Donc, même les monsieur te tombé, principe, autorité angélique a arrêté. Nous allons comprendre ça, ma dit là. Ma vin sou, même apprendre là. Pour nous dire un bagaille. Archange Michel, ça te? Il y a un ange qui est dans la sainteté, mais son archange lié. La parler avec un archange qui déchu. Par principe autorité, puisque archange ça, dans le 8e degré, il était au-dessus de tous les archanges. Michel respectait à un langage par principe d'autorité. Vous comprenez? Ça, c'est le leadership là. Qu'est-ce que ça me dit? Mais le pasteur Marco, t'as chuté. Même si chuté, pas abandonné l'évangile, non? T'as commis un péché, une erreur. Quelle soit l'autorité que tu as là, quelle soit le membre de l'église, tu dois respecter par principe hiérarchique. Je ne dis pas suivre, non? Mais tu dois comprendre comment tu parles avec elle. Yeah.
Maintenant, dans l'ordre hiérarchique, là, Dieu n'a pas fait arbitraire. Il n'a pas fait arbitraire. Donc, puisque Daniel a prié, il y a Saint-Esprit, il y a un bon Dieu en donne. Mais il y a un principe naturel, bon Dieu, est respecté. Parce que dans ce ciel, il y a un protocole. Hello? Il y a un protocole dans ce ciel là. Donc, puisque il y a un ange qui vient bloquer le roi, le roi et son autorité, et bien, puisque Daniel, dans un pays étranger, et d'après le principe là, je viens de comprendre que chaque territoire, il y a des puissances d'autorité qui constituent sur le monde spirituel. En tant que patron pays ou bien zone dans la communauté, il y a des pouvoirs sur cet espace là. Wow, je comprends. Alors que dans la zone là, quartier ça, il y a une autorité sous tête là. C'est pourquoi les Christ par le côté, qui ça le premier dit, il dit avant que nos maisons, il faut nous marier l'homme fort par principe d'autorité. Eh bien, puisque monsieur a prié, prier qu'il y a une région inférieure pour prier à notre protocole, il faut passer des régions supérieures. Les cas viennent blocus. Par principe hiérarchique, bon Dieu, pas fait arbitraire. Et pas fait que m'a prié, bon Dieu, tout va pas passer comme ça facile. Donc, dans le combat spirituel, il y a un ordre hiérarchique, il y a un principe, il y a un protocole, eh bien, capable de faire opposition à prier nous. Ma bon exemple simple. Deux messieurs, dames qui mariés ensemble. Automatiquement, une fois chaque l'autre, vous avez cet esprit en dedans. Depuis vous fâchez, vous va réconcilier, puis il n'y a pas d'autorité, pas d'efficacité, et pas bon Dieu, il n'y a pas rien. Il y a un principe qui dit qu'il faut réconcilier. Donc, son protocole, c'est là même. Donc, en l'air, dans le combat spirituel, là, prier, bloqué. Qui ça prier? Pas parole, pas langage lié. Je viens comprendre l'autre phénomène. L'aime faire dialogue là, l'aime parler à déclaration que me fait à, me penser que scientifique est capable de faire découverte ça pour nous, qu'il y a une honte qui allait. Hello! Et puis, honte là, allez, oh! Et puis, en jetant des bruits à capanter, oh! Et puis, il y a un pouvoir pour descendre, pour brouiller honte là. À son technologie, que la Bible a été montrée nous là, que les paroles nous ont parlé, nous ont cité de prononcer, il y a effet qui fait. Eh bien, par principe d'autorité, il y a qu'à bloquer onde là pour pas un circuit passé. Donc, ça sont principes spirituels qui sont liés. Dans le combat spirituel, il y a un ange qui a fait autorité pour combattre les chrétiens. Mais cependant, là, nous entrons plus dans l'intimité avec bon Dieu, il y a un principe qui nous capable de sublimer. Mais pas de dire que peut-être nous sommes chrétiens, pas un obstacle. C'est pourquoi la Bible a dit comme ça, pour rien pas faire obstacle à prière, il faut que Maria et Madame nan réconcilie, même leur gain cet esprit dans la vie. Donc, il y a qui a bloqué prière nous. OK? Par principe d'autorité, il y a qui a bloqué prière nous. Donc, il va faire qu'on gain cet esprit de quoi manger pas faire automatique. Principe si elle n'a pas comme ça. Ah, OK. Dieu n'est nul. Dieu n'est nulle part, mais il est partout. Mara situé, bon Dieu, parce qu'il est omniprésent. Il attendait où? Il attendait, oui. Ok, pas la même. Pas la même, dis-moi, Magaï. Pas la même. Pas la même. Est-ce que je m'attendais? Je vais pas répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Alors, depuis mon Dieu, attendez, mon ami. Bam tout, bagay. Tale. Bien aimé. T'as l'explication. Qu'est-ce qui est créé dans la région spirituelle? Qu'est-ce qui est créé véhicule? Qui bon moi dit là? Moi dit veille pour me parler avec un monde qui a utilisé un téléphone. Téléphone en avion, véhicule. Eh bien, les nous parler avec bon Dieu. Qu'il y a plusieurs principes qui sont capables d'accomplir. Pas oublier avant la mort de Jésus-Christ.
autorité qui sort dans le troisième ciel là, qui est dans le deuxième ciel là, et dans le premier ciel là, parce que nous avons la première région céleste, dans la deuxième région céleste, et Dieu et les anges dans la troisième région céleste, ils ont gagné autorité toujours. C'est après la mort de Jésus, principe ça, ils ont perdu toute autorité honnête. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible doit étudier par contexte. Donc, dans l'époque, ça, yo, démon, yo, yo te gen autorité. Si maintenant Job avec vous, ou après que, pendant que Dieu a fait un conseil des anges, et puis, Satan paraît, parce que te gen autorité, te gen permissivité toujours. Mais après la mort de Christ, Christ dit comme ça, j'ai vu que Satan tombait du ciel. Parce que après la mort de Christ, il dépouillait yo et publiait yo en spectacle. Donc, les croyants de l'Ancien Testament pas gagné toute autorité du croyant du Nouveau Testament. Et là encore, qu'un principe pour nous suivre, pour prier à exaucer. Et pas de fait que m'a sanctifié, m'a pas dans péché, un péché conscient qui fait que bon Dieu doit répondre automatiquement. Parce que gagné un principe. La Bible a dit, persévérer dans la prière. Si tu me persévères dans la prière et pas attendre, pas attendre, mais demander pour me persévérer. Deuxièmement, vous voyez que les véhicules, les bons, leur parler, Dieu cavale exauce directement. Mais des fois, tout le livre, c'est un ange qui entoure nous, qui pour porter parole là, aller. Ça va dépendre du protocole que Dieu veut employer. Les anges là, tendez nous parler, qui au service nous. Il porte un message là, allez. Dieu qui a envoyé un ange vient porter un message pour nous. Surtout dans ce testament. Mais qu'un ange supérieur, même les chutés, il a bloqué un ange de Dieu. Par principe. Comment faire d'accord qu'il y ait dans le ciel? Parce que bon Dieu permet certaines choses. Dans le ciel, côté bon Dieu, il y a, tu es guerre. Hello? Dans le ciel, côté bon Dieu, il y a le Père, le Fils, cet Esprit. Tu es qui ça? Guerre. Ou est-ce que tu as quitté dans l'église? Tu es dans le ciel qui a quitté le Père, péché, tu as quitté le passé. Donc, et pas là pour bon Dieu, pas quitté le passé. Est-ce que vous comprenez, mon ami? A dit qu'à tout saint qui est là, Dieu a quitté ton pile de gars passé là. Pour une raison. Pour sagesse. Pour une leçon. Pour même humilité. Ok? Donc, un véhicule, Dieu te permet que qui porte un message à l'air. Et il y a un véhicule qui fait pour message à descendre comme messager. Parce que ange signifie messager. C'est pourquoi la Bible parle de nous. Il y a un autre conseil, dimension dans le Nouveau Testament. Il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu te parle avec nous dans la vision, à travers songe. Mais dans la nouvelle époque, là, Dieu parle nous à travers le Fils. Ça veut dire, moyen plus efficace pour bon Dieu tendre parole nous, c'est à travers la parole, la prière qui fait selon la parole et selon volonté, s'il voulait accomplir. Donc, dans ce temps, tu es doué un véhicule qui peut tes messages aller. Et un autre véhicule angélique qui doit pour tes messages à retourner. Parce que dans ce testament, pas de gagnant intimité homme à homme direct, même gens à nous-mêmes. Daniel t'est rempli de l'esprit, mais pas de gagnant la plénitude de l'esprit parce que cet esprit peut qu'on a époque. Bon Dieu béni tout peuple là. Bon Dieu béni mon pasteur. Moi félicite la présence de bon Dieu dans la vie pour si bel enseignement ça. Alors, tu as parlé de dragon qui c'est même serpent ancien. Ça t'est venu dans l'esprit pour me poser question ça par rapport avec la Chine. Nous connaissons derrière chaque monument, il y a un esprit. Et très souvent, m'a regardé dans film chinois et drapeau yo tout, nous voyons dragon li présent pile. M'a demandé est-ce que c'est même autorité ça qui a gouverné pays ça qui fait que l'évangile pas qu'à prêcher à l'aise dans pays ça. Okay. Alors chaque pays yo, yo gen mythologie yo, yo gen croyance yo. Mais la Bible a dit clair, le monde entier, maintenant,
Chaque culture va utiliser la puissance satanique même genre. Ça va dépendre de la dimension culture là. Ça dépend de l'intellectualité culturelle là ou bien développement culturel là. Par exemple, Haïti nous avons vaudou, mais Haïtien prend vaudou à lui servir diable avec elle. Mais l'autre nation fait diable servir. Mais différence qui gagne. Donc, dans le pays, ça a une mythologie que vous utilisez une image. Pourtant, dans l'autre nation, vous utilisez l'autre image. Mais dans le pays chinois qui est chrétien. Donc, puisque le monde entier est sous la puissance du malin, pas un pays qui est un pays chrétien en réalité. Donc, même en Israël, nous avons dit que c'est un peuple à pallier en pile fois, ou après que Satan utilisait les rois pour rébeller contre eux-mêmes. Donc, le principe, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin, toute nation, sous une forme ou une autre, il y a un gouvernement diable, c'est l'église qui gagne, il y a l'autre couverture dans le royaume. Non. Ok? Donc, ça fait que nous dans le monde, mais nous pas du monde. Mais là, le monde entier sous la puissance. Les États-Unis, tout, ils ont une puissance satanique. Ils utilisent satanique, ils ont une autre façon. Mais japonais autour, chinois, ils ont un symbole. J'en dis, chaque nation est capable de gagner un symbole. Donc, et pas chinois, pas servir bon Dieu seulement. Toute l'autre nation, ils ont pas servi bon Dieu, j'en peux pas servir là. Mais ils ont pas utilisé force satanique là. De la même manière, chaque monde a gagné une technologie qui est utilisée avec puissance satanique. Bon Dieu béni. Et nous disons bon Dieu merci pour la façon d'utiliser ou bel thème ça pour être capable de décortiquer. Ou tu as parlé de l'autorité du croyant. Et l'autorité du croyant, c'est un moyen, bon Dieu, fait pour l'homme par moyen Jésus-Christ. Et pour qu'à contrecarré à tout ça qu'a vient faire face avec lui. Mais les m'a regardé. Gien moun k'ap tande m la. Yo ta bien aimé al nan pays yo, gien ça c'est pas au précieux sorti. Là au songe ti la pli iso, la mort sans jour yo pas aller. Gien ça c'est yon coup. Yo sorti lè ou sonje ravay nèg sa vie a fait yo parlé. Est-ce que moun sa yo c'est exercer ou pas exercer autorité a ou bien c'est prier y a veille? Les amis. Bon, me félicite le pour définition parce que bon pi belle définition que tu as gagné sur autorité a. Son moyen bon Dieu ba nous pour contre carré nous contre notre toute force qui a fait force avec nous pour ça ne va faire force ça sous force bon on va décider non pourquoi me garer pour une question ça bon moi réfléchir non et petite question lié bon moi réfléchir bon mais ça me comprendre. Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Après, qui ça dit encore? Ils parleront de nouvelles. S'ils boivent une breuvage mortelle, etc. Donc, nous gagnons autorité, nous avons un package d'autorité qui accompagne nous. Bible a pris précaution, elle dit, voici les miracles. Les miracles. Dieu qui a exercé pouvoir, puissance, l'élever, j'en voulais, façon de vle. Mais Dieu a une autorité que nous devons utiliser tout temps, toute manière. Peut-être ignorance, nous, manque de compréhension, nous faisons pas comprendre pour nous exercer. Dans le principe, ça, est-ce que l'homme n'a pas être devant une gang? Et puis, pour me dire au nom de Jésus que ça m'a bloqué. C'est possible. Mais, il faut que nous gagnions un sacré discernement. Parce que Dieu n'a pas nous autorité seulement. Il a nous connaissance, intelligence et discernement. Il faut comme qu'il est, nous avons autorité pour agir avec autorité. Comment pour utiliser, qu'il est pour utiliser. Ça, c'est la sagesse, c'est discernement. Si gagnons insécurité généralisée, bien aimé,
qui ça me doit faire en tant que citoyen? Sécurité personnelle avant tout. Dieu bon sagesse, m'a sécurisé. Alors qu'on insécurité généralisée dans zone, peut-être mon secrétaire m'a prêté là. Au nom de Jésus, m'a déplacé. C'est même j'ont dit gonter les motos qui passé et pour dire tremblement de terre goudou goudou goudou, m'a dit au nom de Jésus ferme un bouchou. Bon, moi, c'est un exemple biblique. Ma mère dit, c'est un exemple biblique. D'où vient l'autorité du croyant? Eh bien, Jésus, banoun. Bon. Jésus, il est fou là, il est venu pour arrêter les courir, le cacher l'aller. Il y a ce nom. Ti bébé a fait, oui, il y a toute puissance, toute autorité, lui. Il y a tant de gros autorité, quoi. Bon Dieu dit, prends-tu mon nom à l'année. C'est sacré les discerneurs. Et pas autorité nous pas gagner. Mais des fois, Dieu n'a permissivité. Il a accepté comme ça. Puis devant la conpou, c'est pourquoi des fois, il faut faire sagesse. Pour demander à mon Dieu, intelligence. Il n'y a pas connaissance qui peut agir. Il n'y a pas intelligence qui peut agir. Il y a c'est sagesse qui peut agir. Avec discerneurs. Ou quand on autorité fait des gars avec elle. Pasteur, ou quand on autorité fait des gars avec l'église, non, oui. C'est pourquoi quand on capable ou nerveux, vous fâchez sur l'assemblée, puis on fait si. Parole a une puissance là-dedans. Des fois, autorité a, bon Dieu, qu'a bandé nous, on sagesse pour nous exercer. Comment pour nous exercer? Qu'il est pour nous exercer? Ma bon exemple. Gonlé 2004, et pas fou la Keba. Tout le monde connaît les gouvernements montés, il va y avoir tout haïtien aller. On slogan 2004. Pendant que mon étage, et puis un avocat qui est en bas, et puis un escalier hélice qui fait en fait, et puis un petit trou là-dedans, monsieur a une maladie qui prend, et puis il a tremblé presque mourir. Mais puisque nous sommes chrétiens, nous en l'air, madame, monsieur Relem, il dit, je viens prier pour lui. Je descends, même côté, je fais prière. Je dis, Seigneur, bonne grâce. Je pose monsieur les mains. Je dis, Seigneur, que grâce, onction, que bon moyen, guéris monsieur, au nom de Jésus. Bien-aimé, après 2-3 jours, monsieur guéri. Pendant que il a fait mobilisation et pas fou la keba, monsieur fin guéri, après quelques temps, la boîte à fia, il sous. Et puis il dit, tout Haïti a non qui l'a eu, il va mettre au dehors, pas fou là. Je dis, aïe, bah, on a dégagé ça. Il dit, qu'est-ce pas ça? Oublié si mon Dieu te servi avec moi. Pendant que je suis sous match là, je suis allé en 45, il dit, go! Il tire sur moi. Balle là passe dans le fond de pied, je monte comme ça. Pendant que je suis comme ça, je dis, au nom de Jésus, que onction qui est sortie sous moi, que puissance qui est sortie sous moi, que traverse au guérilla, qu'elle retourne sous moi. Hello! Christ dit pendant l'enfoui, il y a une force qui sortit sous. Mais moi, m'utilise une autorité, moi dis que guérison, que force énergie qui est sortie sous moi, tu as sous moi, qu'elle retourne sous moi. Et puis, monsieur, tu as l'autre balle encore, piou, je dis, au nom de Jésus, qu'est-ce que tu n'as pas jamais utilisé? Monsieur, clap! Monsieur, clap! Monsieur, clap! Après 22 jours, monsieur, allez, ça m'a tiré tête. Maintenant, est-ce que je ne vais pas être devant Zam tous les jours pour me dire, non, au nom de Jésus, je vais me dire, je vais courir. Ça fait me sentir, ça fait me sentir, Jean a parlé à la, il y a des moments qui paraissent devant. C'est sagesse pour utiliser, il y a des moments où vous utilisez l'autorité en Jésus. D'accord. Voilà. Yes. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci façon d'utiliser la conférence là. Que bon Dieu bénisse le ministre pasteur. Nous avons une question qui gagne des volets. Nous connaissons après l'homme te fin péché et puis bon Dieu commence à prononcer sentence. Il prononce sentence avec l'homme non. Alors avec Adam et puis il prononce sentence là avec Ève. Après, il parle avec serpent.
dans Genèse chapitre 3 verset 15, il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Question pour mon pasteur. Qui s'en a considéré comme postérité, postérité serpent? Est-ce que yo c'est yo autorité? Moi non. D'après Galates, Bible a dit la loi a été donnée jusqu'à ce que vienne la postérité. Nous sommes dans Galates chapitre 4, 5, 6 comme ça. Allez sur Google et puis pour moi, écrit pour moi, la loi a été donnée jusqu'à ce que vienne la postérité. Pour moi, pour moi, langage là textuellement. Galates chapitre 4, 5, 6 comme ça. La loi a été donnée jusqu'à ce que vienne la postérité. Jusqu'à ce que vienne la postérité. Il dit la postérité étant venue, nous sommes point sous la loi. Entrez dans Google et puis dit la postérité étant venue, nous sommes plein sous la loi. Pour moi, qui texte qui dit ça? Pour moi, même moi, textuellement avec vous, pour moi, une réponse biblique. Il dit la loi étant venue, nous sommes, la postérité étant venue, nous ne sommes point sur cette pédagogue. Est-ce que nous venons dans Galates? Galates 4, verset 5 ou 6 comme ça. Galates 4, verset 4, 5, 6. Ok. Galat? Texte à monter, après? Ok. La postérité signifie à et petite qui vient pour venir. Donc, il dit la postérité de la femme. Il cite la postérité de la femme n'est autre que Jésus qui pral né d'une femme. OK? Donc la postérité dans le langage général, l'aime dit la postérité signifie les descendants. Mais dans le contexte Genèse là, la postérité ici spécifique, c'est une personne, c'est Jésus étant né d'une femme née sous la loi. Selon Galates chapitre 4 5 6. OK? C'est pourquoi ça dit comme ça, la loi a été donnée jusqu'à ce que, lorsque les temps ont été marqués, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Donc c'est la postérité de la femme. Jésus, c'est lui-même qui s'est postérité là. Mais en langage général, lorsqu'on dit postérité, il dit descendant. Mais dans le contexte, ça, c'est une prophétie qu'elle était, c'est Jésus qui pral né d'une femme. Parce que péché a été venu par rapport avec une désobéissance de la femme, Dieu peut faire réparation par rapport à notre femme. C'est pourquoi moun qui peut prendre naissance là, il est né d'une femme. Donc c'est une réparation que Dieu fait pour réparer mesdames. Applaudis le Seigneur, mesdames. Donc erreur mesdames ont été fait en Éden là, Dieu va le réparer à travers une femme. Et si moun ça peut le faire là, c'est la postérité de la femme. C'est l'enfant de Marie. Ok, monsieur, il y a un rebondissement. C'est vrai qu'il y a un rebondissement toujours. Alors, pasteur, où fait étalage sur la postérité de la femme? Mais ce n'est pas sur la postérité du serpent. Question par là, c'était qui s'en a considéré comme postérité serpent? Est-ce que c'est une autorité? Ah, c'est ça avec que je prends le mot postérité dans deux dimensions. Postérité signifie descendant. Mais dans ce contexte, la postérité, c'est un enfant qui nous est né. Un fils nous est donné. C'est Jésus. La femme et la vieille devient enceinte. Et elle enfantera un fils. Donc c'est la postérité de la femme. L'enfant qui est enfanté. Maintenant, à partir des obéissances à Adam, le monde d'alors pourra le diviser
en deux régions, en deux dimensions. La postérité de Dieu et la postérité du serpent. Ici, la postérité du serpent, il y a pour avec tout le monde qui n'est pas régénéré. Qui n'est pas régénéré. C'est pourquoi, on peut le voir que les gens qui prennent le livre Christ, ce sont des hommes irrégénérés que Satan peut utiliser. Donc, la postérité du serpent, c'est tout homme irrégénéré, sans Christ. Et c'est eux-mêmes qui peuvent arrêter Jésus. Christ dit qu'on s'est avec nous tous les jours dans les temples. On est avec nous tout le temps. On est avec nous pas jamais mettre mes sous moi. Donc, Christ peut utiliser soldats. Il peut utiliser les sacrificateurs. Il peut utiliser les rois. Et même un disciple ami qui était un démon. Hello? Donc, la Bible a dit il était voleur et il était un démon en parlant de Judas. Donc, la postérité de du serpent, c'est tout homme, toute femme irrégénérée. Bon Dieu béni nous. Bon salut, présence bon Dieu dans la vie. Serviteur bon Dieu vivant. On va parler de l'autorité du croyant. Question qu'on m'a posée dans le premier verset que vous lié, qui c'est le 10, verset 19 là, qui dit comme ça, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pouvoir vous nuire. Avec dit que tout côté mien, nous devons avoir pouvoir sous puissance satanique, avec dit que pour dominer sur yo, pour me chasser, pour me guérir malade. Mais pour qui ça moi, j'ai quelqu'un à l'église, et j'ai des gens qui boitent, pas guéri, j'ai des gens qui ont une maladie infimité, soit un don qui paralysé, y a des gens qui ont un stérile, qui ont fait petit dans la qui ça cause. Allez, bon, j'ai besoin de pouvoir pour me capable dominer. Bon, c'est une autre grosse question. Mais ça mal comprendre. Texte l'a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le lion. Pour qui raison vraiment le Gébaï Cap nuit nous? Wow, je vous pose une grosse question. Comment vous essayez de comprendre la question ça? Ça, c'est une formule liée. Hello? Qui ça, ça y est? Yon fort? Mais il faut me comprendre comment développer la formule là. Hello? Le bon formule. Formule, c'est vous-même qui pouvez chita pour aller développer formule là. Un. Deuxièmement, mais une erreur, nous toujours fait les évangéliques. Nous toujours prenons le gosse là pour nous faire une application directe avec elle. Et puis nous quittons Réma. Mon Simclair. Parole à écrit, c'est le logos. Son formule. Mais le logos là, faut les transformer en ré. En. C'est là le problème, non. Réma pour venir par entendement spirituel, non. Ça qui est écrit, il y a tout pouvoir, toute autorité pour l'accomplir chaque jour. Mais problème, non. Ses oreilles spirituelles. Des fois, bon Dieu, vous ne faites pas de bagarre, vous ne faites pas. Vous ne comprenez pas, vous ne parce que vous avez l'air pour le faire, vous avez pour l'accomplir, vous avez comment pour l'accomplir, vous avez façon pour l'accomplir. On l'autre exemple. Bon, je vais compliquer la question là. Je vais avoir une réponse plus facile et je vais compliquer la question là. Pourquoi ça Christ est sur la terre? Et bien, il vient avec un programme politique. Li. Non, Luc chapitre 4. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, pour qui ça? Ok, etc. Une année de classe, etc. Bon, mettre l'évangile là. T'es sous la tête pour guérir tout le monde. Dis-moi maintenant là.
Alors moi-même, je prétendis, petit frère Ronald, pour me guérir toute guérison, je vais dans l'hôpital pour me faire un miracle. Mon cher, mon machin de miracle. Mon machin de miracle. Alors Jésus met l'évangile là sous terre. Que mon pas guéri. Bara qui pi drôle là. On va compliquer question dans pi raide. Jésus arrive devant Kavoa. Il dit Lazare sort. Mais Jésus, c'est Lazare qui est mort. Dis les morts sort. Tout le monde a sorti dans la mort, a ressuscité. Mais prends précaution pour dire là. On gagne mon nom, on retire. Oui. Et si Christ est mal, il te dit, les morts, il te dit, mort sorti, moi qui suis vivant. Parce que là, ça te gagne 4 jours, moi qui te gagne un jour, tu as pris dans les vivants, parce qu'il peut couper net. Ça veut dire que Christ va ressusciter tout le monde. Alors moi-même, je vais le prétendre pour me ressusciter tout le monde. Il y a encore d'autres bagailles. Il y a des bagailles qui sont dans le temps, non. Il faut nous la prier. Peut-être nous avons manqué la foi. Ou qu'a gagné sainteté, nous manquons la foi. Et deuxièmement, la Bible a dit, cette sorte de démon, lui sorti par une autre stratégie. Mon ami, il sorti par une autre stratégie. Gain démon, m'pas d'empêcher, m'en communion avec mon Dieu, m'pas qu'à chasser. C'est vite, mon Dieu, pas jamais prétendre qu'à faire toute bagaille, parce que c'est homme de Dieu. Faut demander mon Dieu, là, et là, stratégie. La Bible a dit, cette sorte de démon sorti par la prière et par jeûne. On ne peut prier. Prière pas efficace. Parce que titre de démon ça, faut qu'on ait un degré sorti. Faut qu'on ait titre de démon ça, et puis par jeûne. Et la Bible a dit, par la prière. Bon, tu la prière, et puis, on ouvre une bouton de démon là, pour t'en chasser cette pipe, homme de Dieu. Non, et pas de prière, demande-moi là. Les bonnes ont pas qu'être prière. Et puis par le jeûne, et bon, grand jeûne, non? Ça va dépend qui a, et par consécration, qui alliance que moun nan te fait. Ça va dépend qui a alliance, qui chaîne qui pour couper, qui pont pour craser. Ça, li kan demande titan dans le combat spirituel là. C'est pourquoi ou kacha son moun nan, ou retire deux démons, trois démons. Mais pour que j'en libé, c'est là nous qu'on trompe. Et puis, nous n'entendons pas tes pip. Et puis, nous disons, au nom de Jésus, sorti. Poup. Et puis, nous n'en campé. Et puis, nous bal vague. Pourtant, il y a l'autre petit baraï qui est. Ou retirer ses pans. Mon pas craser les yeux. Dis ma mère. Ah, c'est problème dans ça. Après, nous n'en rechuter encore. Parce que nous retirer ses pans. Mais les yeux. C'est ça. J'ai ça pour demander mon Dieu. Donc, il y a des gens qui là, dans le temps, nous, c'est serpent qui sorti, c'est scorpion qui sorti, c'est zandolite dans Mabouya qui sorti. Mais nous, quand on est de là, superficiellement, nous ne pas retirer les yeux qui en dans le monde, qui a produit l'autre